se retrouve pour ce 21e weekly vlog. Je vous prends très tard, il est 20h20, samedi. En fait, j'ai passé ma journée à cleaner la maison, j'ai rangé, nettoyé, tout ça. Ouais. Là, vous entendez, il y a de l'animation à la maison. On est généreux, on va partager nos microbes. Non, les copains sont venus manger ce soir pour animer un peu le truc. Voilà. On va se faire une petite crêpe partie, je vous montrerai tout à l'heure. Et on va se faire un poker. Après, je vais aller jouer au poker, ils vont m'apprendre à jouer au poker. Donc, on verra bien. Je vous montre les loulous. C'est parti. Regardez ça, c'est la course. La course contre autour de la table. Julie est content parce qu'il a retrouvé son copain. Je l'ai faite avec ça et ça. C'est quoi ça? Du fromage de chèvre sans mort. C'est ça. Moi j'avais fait le fromage sur la tienne. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure en fait. Vas-y, amour. Oh! Waouh! Waouh, une boîte et tout! T'es content? Oui, regarde-moi avec un beau sourire! Regarde-moi avec un beau sourire! Je ne sais pas pourquoi il y a ta crayon. Tu montres, regarde, t'as un sourire! Là, tu as des crayons? Montre avec un beau sourire! Comme ça, on va envoyer à Diane. On a reçu un petit colis de Daisy, donc on va vous faire un petit unboxing en direct. Ah, mais c'est pour toi. Elle m'a dit que c'est des petites surprises pour vous. Ah, bah c'est pour Chachou. Attends, il y a un petit mot. Du papatouille. Ah, il y a des trucs pour Marion aussi, je pense. Regarde, les licornes, c'est pour Marion, ça. Waouh, des stickers encore. La pâte patrouille. Et ça, un tableau. Ah, sympa. Un tableau de mosaïque. Je sais pas, alors je sais pas, j'ai pas lu la carte encore. C'est pour moi. T'es tout prêt en voyant du tout. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vais lire ce qu'elle nous dit et on vous reprend. Ce chaton est surexcité. Hey, re. Du coup, je vous prends là. Je vais faire un tout petit montage finalement d'un petit weekly. Alors du coup, il n'y aura pas de weekly dimanche. Enfin, il n'y aura pas de passage du dimanche. Très peu du samedi déjà en plus. Mais bon, avec le souci qu'on a eu le dimanche, voilà. Bah pas du lundi parce que mon homme a regardé que lundi soir. Il y a un petit bout d'hier, j'ai pas beaucoup filmé, mais on va essayer de vous filmer un petit peu plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a un petit copain. Vous voyez, je suis en train de bercer une poussette. J'ai ressorti la poussette de mon chachou mamour quand il était petit, parce que regardez qui c'est qu'on a à la maison aujourd'hui. C'est petit Lilouchou. Parce que du coup maman et sa maman est malade et son papa devait aller travailler. Donc du coup, Tata, elle garde petit Lilou. Et je vais lui faire un câlin parce qu'il en peut plus, petit cœur. Allez, on va reprendre tout à l'heure. C'est pas de Loulou avec moi, je viens de revenir. Ils ont été faire une petite balade, en fait. Je me suis fait réquisitionner les bébés. Ma maman m'a dit, mais non, on l'emmène pas, on le garde. Voilà, donc j'ai cherché mon petit colis qui est là, je vous montrerai, mais je préférais vous montrer installé. Au passage, j'ai trouvé le scotch du colis, c'est collé au milieu de tout ça. Cette petite chose pour mon chaton qui voulait ça, et en fait quand je lui ai offert son dessin, j'ai pas pris celui-là parce que je le trouvais pas de façon, et je l'ai pris un violet. Et sinon j'ai aussi pris ça à mes loulous parce que mes loulous adorent les quatre couleurs, enfin surtout Jo. Enfin Jo adore voir le stylo violet des infirmières avec plusieurs couleurs, et Marion adore les quatre couleurs, donc je leur ai pris la version qui écrit violet, rose, bleu, vert chacun. Et je viens de passer à la pharmacie chercher des petites choses pour ce baby chou qui a très 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 mal aux dents. Donc voilà, donc je rentre les retrouver et je vous les remontre après. Pikachu, ok. C'est un Pokémon. Qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. Et tiens, celui-là, le premier. Et c'est pour toi? C'est pour toi aussi, hein. Julianne, c'est pour toi aussi. Merci. Tiens. Tu veux pas un stylo en plus, maman? T'as un stylo. Merci. Tiens, c'est pour toi celui-là. Je préfère Pokémon. Ah, tu préfères le Pokémon, mais tu as le droit d'avoir les deux.
Hey, coucou. Bon bah du coup je vous reprends, on est vendredi, je vous ai pas repris hier soir. Tout simplement parce que quand on est rentré ça a été un peu le rush. Chaton dormait donc j'ai déposé les lichoux chez lui. Chaton s'est réveillé à ce moment là. Du coup Chaton quand on est arrivé à la maison était un peu fatigué, un peu triste d'avoir laissé son copain parce qu'on a vu son copain en déposant le petit frère. Voilà voilà. Donc du coup je voulais vous parler des colis que je n'ai pas pu vous montrer hier. Celui-là est arrivé hier. Il arrive aujourd'hui donc je pensais vous le montrer aujourd'hui donc dans celui cas c'est pas grave hein. Et celui que du coup je vous ai pas montré donc c'est pour ça que je vous reprends. Je me tâte mais je pense que je vais clôturer ce weekly ce soir. Ce sera un tout petit weekly. Faut encore que je vous fasse exporter parce que du coup avec ces problèmes de caméra, ces histoires de semaines un peu complexes, j'ai toujours pas mis en ligne le weekly de la semaine dernière. Je vais essayer de faire ça avant de partir. Là il est midi moins le quart. Et on part à 2h moins le quart, donc dans 2h, pile poil. Donc voilà, donc je vais essayer après de. Ma maison est un peu en bazar, mais au pire, je rangerai demain. De vous monter le. Ah, mais non, mon fils est mon ordi, c'est vrai. Je lui filerai la télé. Je vais essayer de négocier de filer la télé à Joe et de récupérer mon ordi. Et de vous mettre en ligne le wifi, donc de vous faire la miniature, parce que c'est toujours pas fait non plus. Donc on va mettre à uploader, hein, voilà. Sinon, donc je vous reprends. Je vous allez voir un peu le bazar du petit-déj que j'ai pas encore débarrassé le petit-déj. Du coup, on a choisi de se faire un gros petit-déj parce que je sais pas si vous êtes au courant, parce que je sais pas si je l'ai dit. Avec tous mes problèmes de caméra, je sais plus ce que j'ai dit, pas dit. Je suis désolée, je suis un peu à contre-jour. Ça tombe, tout va bien. Je sais même pas si je vous l'ai dit du coup, mais en gros, on a rendez-vous de suivi avec le docteur de Jou à Trousseau. Pour nous expliquer la dernière phase qui est l'entretien, voilà voilà, qui devrait commencer dans pas très longtemps. Donc du coup, c'est pour ça qu'on part en taxi à 2h moins le quart. Petit chat. Allez, je reprends dans l'autre sens. Oui, on prend le taxi, doudou. Donc, sur cette commande, Marion a déjà à ses pieds sa paire de baskets. Je lui ai racheté des baskets d'école. Parce que pour tout vous dire, mes enfants ont des baskets de marque, mais qui ne vont pas à l'école. Pour plein de raisons, pour le côté ne pas se faire voler, surtout dans le cas de Marion. Parce qu'elle est victime d'harcèlement. Elles sont à ses pieds, chérie. Marion, elle les a mis à l'école. Marion est victime d'harcèlement scolaire en ce moment, donc du coup, on ne veut pas prendre de risque qu'elle soit embêtée avec ça. Sinon, vous allez vous demander pourquoi j'ai racheté des chaussures à Chaton. Comment ? Pourquoi elle a mis ses chaussures ? Pourquoi elle a mis ses chaussures ? Parce qu'elle a le droit de les mettre. On les montrera ce soir au vlog. Donc Chaton va reprendre l'école bientôt, parce que vu qu'il va basculer en entretien, il va pouvoir retourner un peu à l'école. Ah mon chat, marche bien sur la bouteille, cœur. Et donc je lui ai racheté des petits chaussons, toujours les mêmes de chez Decat, hein, sauf que mon petit chaton au grand pied, c'est du 30, et donc c'est la dernière taille qu'ils font dans ces petits chaussons. Donc clairement l'année prochaine, il n'aura pas des chaussons Décathlon, enfin je trouve autre chose pour l'école parce que c'est leur dernière taille. Voilà, voilà. Donc je lui ai repris une petite paire de chaussons, c'est les chaussons de chez Décathlon, je sais même plus combien ils coûtent, 15 euros je crois, quelque chose comme ça. C'est les fameux chaussons de chez Décathlon, c'est une nouvelle couleur en plus, je la trouvais très très sympa. Donc, ils sont devant la fenêtre donc on voit bien. Et je lui ai repris, pareil, une petite paire de baskets. Ce que j'aime dans ces baskets, c'est qu'elles sont... souple, mais alors à une main, comment vous dire que je sais pas montrer ça. Ah, si, c'est comme ça. Oh là, elles sont souples. Il les a eu hein, ces baskets là. C'est les fameuses baskets de chez Decathlon avec le size control. Voilà. Je sais qu'on peut retirer la semelle, mais à une main, je vais pas y arriver. Mais bref, je suis sur un groupe de chaussures souples et elles sont bien celles-là. Pour les grands hein. Voilà, donc c'est les fameuses chaussures qu'on a vues d'ailleurs dont on nous a parlé au Sifluent. Mange un truc mon cœur. Voilà, et Chaton les avait eues en couleur un peu comme ça et un peu plus clair aussi, et vraiment le même style. Et d'ailleurs il y a sa copine Elina qui les a en rose et elles sont géniales ces chaussures. Bon, c'est la dernière taille, pareil, 30 hein, c'est voilà, il passe chez les grands après officiellement. Mais du coup je lui ai repris cette petite paire de baskets parce que je sais que pour l'école c'est les premières qu'il a eu en maternelle l'année dernière et elles étaient vraiment top. Et après il avait voulu le même modèle que sa sœur qui était moins souple et moins sympa, et donc je lui avais fait plaisir. Mais
Voilà, moi j'avais adoré celle-là, donc je lui ai repris celle-là pour l'école. Voilà, parce que celle qu'il a actuellement avec les lacets élastiques, il a du mal à les mettre tout seul. Donc voilà pour la petite explication. Et sinon, je vous reprends, je vais vous montrer. Ah oui, sinon, je me suis aussi pris, j'oublie un morceau. Ce petit maillot de bain. Voilà. Et ce que, en fait, voilà, je voulais un maillot de bain, une pièce, reprendre un maillot de bain, une pièce. Donc c'est la marque Olayan, donc de chez Decat. Et ce que j'ai bien aimé dans ce maillot, parce que je voulais un maillot de bain, une pièce. Hein, les maillots de bain, une pièce n'en peuvent plus, ils ont des années. J'ai un maillot de bain, deux pièces, mais je voulais une pièce pour pouvoir aller nager quand. Chaton va reprendre l'école pour me faire des matinées où je vais à la piscine et je prends le temps pour moi. Et ce que j'aimais beaucoup dans celui-là, ce qui m'a fait choisir celui-là, c'est qu'en fait on peut le passer là et on peut faire croiser, décroiser, resserrer les bretelles, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Et je l'ai payé 15€ pour tout vous dire. Et j'avais pas repéré, moi j'avais beaucoup aimé le côté coloré, mais j'avais pas repéré que c'était des détails dorés. On va dire que c'est le gros plus, quoi, parce que j'ai toujours mon petit coin doré là sur mon bureau. Oui, on a le cadeau de notre petite Léa au passage. Hein. C'est un petit plus pour son cadeau d'anniversaire. Et voilà, je suis trop fan. Voilà, donc pour 15€, je me suis pas privée. Je vais avoir un nouveau maillot de bain tout neuf. Voilà. Bon, ce coup-ci, je vous reprends. Et je vous montre vite fait ce qu'il y avait dans le colis sous le lampion. Allez. Je vais prendre ma chambre des loulous parce que tout simplement, ce que j'ai commandé là, c'est pour refaire ça. Voilà. Je n'ai conservé donc de sa queue, ça pour Jou et ça pour Marion. Voilà. Celui de Marion n'est pas accroché tout simplement parce qu'il faut que je demande à mon homme de mettre une vis. Pardon, près du tableau. Et je pense essayer de voir pour reprendre le tableau qui est là, qui est sur une vis. Hein. Et demander à mon homme qu'il me remette une vis et que du coup ça tombe en dessous. Voilà. Et donc j'avais acheté chez Sous le Lampion déjà cette étoile du coup. Bon, faut que je la dépoussière parce que par contre elle a pris voilà, elle a pris la poussière hein. Faut vraiment que je la dépoussière. Et donc ce petit lampion là, je sais plus comment ils appellent ça, les boules chinoises je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est exactement ce que j'ai racheté. Donc c'était de cette taille là, celle qui est là-haut, voilà. Donc j'ai racheté ça et ça vient de chez Zodio, il y avait une promo chez Zodio là. Et donc Marion lui avait trouvé une étoile verte, voilà, chez Jiffy, il me semble. Donc du coup je vais ajouter l'étoile, la rosace. Donc Jo a une plus grosse rosace, mais ils auront le même principe. Ils auront deux boules comme il y a là-haut, chacun. Donc je vais vous montrer déjà celle de Jo. Donc Jo, il a la petite boule comme ça. Il aura une de la taille au-dessus. Je sais plus les tailles, par contre je n'aurais pas à vous dire. Je vais essayer de voir si je peux vous renseigner, parce que j'ai le truc. Donc là-haut, c'est une 15 cm, qui est là-haut. Donc j'ai pris aussi la même chose pour Jou et Marion. Ensuite, ils auront chacun deux blancs, deux 20, pardon. Donc Jou aura une blanche 20, en rappel à l'étoile. Et une 20, exactement la même couleur que celle qui est là-haut. Et la petite touche est une dernière en 35 cm. Qui sera du coup la touche du chachou. Voilà, une touche de violet. Ce chaton est fan de violet, si vous ne le saviez pas. Et je trouvais que ça se mariait bien, même avec le vert, je trouve que ça va bien. Voilà, donc. Et du côté de Marion, on est resté dans les couleurs qu'elle aime bien. C'est-à-dire qu'elle aura donc l'étoile verte. Donc pour ça, j'ai pris une rosace en 20. Une rosace, pas une rosace. Sa rosace, c'est ce qui est là. Oh, aïe, aïe, je suis fatiguée. Une boule en 20, donc vert. Dans le vert, vraiment un vert, je me suis pas du tout loupée parce que quand je le vois à côté du rideau, je suis contente, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est citron vert, je crois qu'il s'appelle sur le site. Citronnelle. De toute façon, je vous mettrai le site en barre d'infos. Et j'ai pris en rose flamingo, une 20 aussi. Et la grosse en 35 en rose flamingo. Et j'ai pris la petite touche, la petite touche donc de trois couleurs, parce que du coup il y a trois couleurs. Et je suis partie, parce que Marion, sa couleur c'est le rose, hein, clairement. Elle aime bien le bleu aussi, mais sa couleur vraiment c'est le rose. Et je suis partie de ça tout simplement parce que là les mains sont faites en argenté. Oui, on va les faire, mais ce week-end, chérie, parce qu'il faut que papa nous mette une vis.
Mais ce week-end, tu feras avec maman. Et donc voilà, je suis partie de ça parce que du coup, c'est fait en argenté et rose. Et donc du coup, bah, j'ai ajouté. Quand j'ai vu qu'il y avait de l'argenté, j'aurais bien mis du doré du côté de Jou. Mais Jou n'a rien à secouer, donc je préférais plutôt prendre une couleur qui le concernait lui plutôt que moi, hein, concrètement. Et donc pour vous montrer, c'est sur ce site-là. Si je vous la mets à l'endroit et pas par terre, ça marchera mieux. Désolée, vous voyez mes cheveux au passage. Hop là. Voilà, c'est chez Sous le Lampion que j'ai commandé. Et pour tout ça, j'en ai eu pour, je sais plus, une vingtaine d'euros, il me semble, avec les frais de port. Voilà. Et tu vois, regardez comme c'est joli. Je trouve ça magnifique. Je pense que pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, on va faire ça dans une salle. Vous avez l'info en exclu, du coup. Et il y en avait des dorés comme ça. Je pense que j'en prendrai quelques-unes pour la déco. Ça va être vraiment tellement joli. Parce que oui, la déco sera bleu doré. Voilà. Donc j'ai déjà hâte de toutes les mettre comme ça parce que ça rend ouf quand elles sont mises. Et donc après, en fait, pour l'explication, sur le site, ils vendent un système d'accroche où on a un truc comme pour les tableaux, une accroche vis comme pour les tableaux, sur laquelle après ils vendent de la corde, de la petite ficelle. Donc exactement comme j'ai fait là, sauf que mon homme a mis une vis parce que étant donné que nos murs sont hyper difficiles à percer, il aurait jamais pu planter un clou et qu'ils tiennent vraiment dans ce mur qui est super dur. C'est un mur porteur. Voilà, donc il m'avait mis une vis et j'avais fait comme ça. Et je referai pareil pour les suivants. Je verrai si je raccourcis les cordons ou pas, comment je réinstalle, mais dès que c'est fait, je vous montrerai. Voilà, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je vais te le faire. Allez, à plus tard. Regardez, voilà, maman fait un heureux. On vient d'aller acheter... un petit goûter, il a voulu des chips et des Smarties et on a pris une bouteille d'Esti, j'ai pris un coca pour moi et je lui fais plaisir, voilà, une fois que j'ai de la monnaie. Mais bon, je viens de me délester de 8,50€ pour tout ça quand même. Ça t'éclate? Oui, voilà monsieur, t'inquiète hein. Tu fais du bolide? T'as mis ton casque? Hey, bonjour, Franck, il est 6h-3. On vient d'arriver en fait, on vient juste de se poser. Je suis crevée, mais bon. Je sais pas si on vous avait montré, si je crois qu'on vous avait montré. Chouquette a eu ça à Noël. Alors, je tente très bien d'essayer de vous l'allumer, mais ça me semble qu'il soit d'accord. Voilà, je pense qu'il fera pas plus. Voilà, parce qu'il serait éteint. Il a plus de batterie, mais en gros, c'est un micro, donc on parle là-haut. Il y a un micro, il y a un haut-parleur, là, de l'autre côté. Vous allez vous demander, mais pourquoi elle nous montre ça, là, comme ça, le bouton blanc Voilà. En fait, pendant qu'on était en train de... Je vais prendre l'autre main. Pendant qu'on était en train de... Enfin, que Jou était en train de manger, les petites choses qu'il m'a fait acheter... Oh, j'arrive pas à le sortir. Il y a des jeunes femmes d'une association qui sont venues me voir. Et qui, parce que Jou leur a parlé, leur a fait eh oh, coucou, comme ça, elle est trop fière de lui, enfin bref, elle a bien fait rire. Et en fait, elles sont venues me voir en me disant, écoutez, on a fait une animation, on a eu besoin d'un truc, et bah, on cherche un enfant à qui l'offrir. Est-ce qu'on peut l'offrir à votre fils? Je lui dis, bah oui, bien sûr. C'était ça. Donc, pour vous montrer, ça s'allume. Voilà, c'est le même principe que celui de Mario. Il y a un écho de ouf, là. Et il peut être encore pire. Voilà, on peut monter le volume et tout. On peut monter le volume et tout. On peut couper le micro, juste s'en servir comme d'une enceinte, ou leur allumer le micro et pouvoir chanter. Et en fait, elles nous ont expliqué qu'elles s'étaient servies de ça pour une animation dans l'hôpital, c'est pour ça qu'elles étaient là. Et que du coup, elles cherchaient un enfant à qui l'offrir, donc elles ont proposé à mon fils. Et elles m'ont fait rire parce qu'elles sont avec la boîte comme ça. Alors en disant on a un micro machin. Donc moi je me suis dit je dois être noire. Enfin, et puis après j'ai vu qu'il y avait des couleurs là. Et puis là elles lui disent ah, par contre est-ce que ça te dérange parce que on l'a pris en rose. Alors, le contre-jour. Voilà. Et... Alors on l'a pris en rose. Je dis bah vous savez sa couleur préférée c'est le violet, il adore le rose. Et là ils se sont dit ah, bah parfait, bah on lui offre. Donc du coup il a joué dans la voiture et tout. Donc du coup, je vais mettre une Marion en charge parce qu'il a plus de batterie et que je sais que ça va faire polémique.
Et apparemment, c'est exactement comme Sulmarion, parce que sur Sulmarion, on avait la même notice. On peut brancher que ça passe par l'enceinte, en fait, la petite enceinte qui est là, pour celui de Jou. Enfin, la petite, il y a quatre baffles. Et l'enceinte qui est en dessous pour Sulmarion. On peut brancher en Bluetooth de la musique et qu'on chante par-dessus, en fait. Voilà. Ou s'en servir juste comme une enceinte. Bon, après, on a une enceinte, nous. Hein. On a une enceinte JBL qui est rangée, je crois. Mais enfin, ça m'a fait rire. Donc voilà, Jou a un micro et il est trop content. Et en plus, vu qu'il a été adorable, le taxi m'a demandé s'il pouvait aller mettre... Alors, je ne vais pas vous montrer son numéro. Mais le taxi m'a demandé s'il pouvait mettre de l'essence. Jou a été adorable tout le long. Donc du coup, il a offert une petite... lampe avec Yann Taxi. Son numéro et tout, et c'est un petit goodies je pense qu'il offre pour laisser son numéro, donc je trouve ça trop sympa. Voilà. Miko. Le Miko, il va vous faire une démo. Vas-y, fais une démo. Fais une démo, mon cœur. Attends, t'approches pas, je te vois, t'approches pas. Je crois que ça va être la miniature, j'attends qu'il chante. T'es beau avec ton micro. Tu fais une jolie pause avec le micro. J'espère que maman elle puisse faire une capture d'écran. Tu fais une jolie pause. Regarde-moi. Ouais, t'es trop beau. C'est moi, j'ai mis plus fort. T'as mis plus, ouais, plus d'écho, ouais, j'ai vu ça. J'entends même. Tu dis à plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard. De Miko. Hey, coucou, je vous prends là ce matin. Chaton est parti avec mamie. Bon, Chaton a fait une nouvelle boulette. Il est parti sans doudou, je lui ai dit 3 fois de le mettre dans le sac, il l'a pas fait. Et quand mamie est arrivée avec un doudou Spider-Man, et ben, doudou Spider-Man, il est parti avec, mais il est pas parti avec Tutu. Voilà, voilà. Donc je vais voir avec ma soeur, savoir s'il faut que j'emmène le doudou. Ça m'arrangerait que non quand même, que j'ai le temps de faire mon ménage, parce que du coup je voulais au moins avoir le temps de faire mon ménage. Donc je vais voir ça, puis du coup, ben voilà, pour ça je vous prenais un petit peu. Donc je vais m'activer. Et je vais attendre la réponse de ma sœur, voir ce que ça donne, voilà. Mais j'ai pas trop de trucs à ranger, ça va. La maison est quand même relativement correctement rangée, contrairement à d'autres fois. Voilà, je vais juste faire un petit coucou, je vais m'activer à faire ça. Et je vous reprends plus tard. Et je vous reprends, je pars de chez moi. Je rouvre la porte, on va y aller. Ça y est, je pars avec ce joli temps, regardez. Parce qu'on va voir qu'il fait beau. Ouais, j'ai quand même regardé mon courrier, ça y est, je pars avec ce truc qui sonne tout le temps, j'en peux plus que ça sonne. Je vous jure, j'en peux plus. Parce qu'on l'entend quand il n'y a pas la télé. Allez, je file, je vais chercher ma soeur, on va caresser là, du coup. Elle m'accompagne. Heureusement, j'ai pris mes lunettes. Je vois rien du tout. Et puis du coup, je vous montrerai là-bas, on va chercher ma coque. Je vous montrerai ça. Là, je pars avec ce joli temps. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Vous voyez là, c'est d'ouvrir la voiture. Voilà. Allez, c'est parti. Petit achat à Sauce Town Green et puis on est passé aussi à Chaman. On a pris les petits cadeaux et ben on va prendre une petite orange pressée. On ne connaissait pas. Voilà, on découvre. Je pense que ça va être excellent. Il n'y a rien qui se passe. Si, ça tourne derrière, regarde. Regarde le mécanisme derrière. Ouais, je vois que ça tourne, mais on va pas descendre. Ah, ça y est, on va descendre. Je sais pas si vous avez vu. C'est une qui est mise. C'est excellent. Et le juste rempli là. C'est classe. Bon bah écoute.
Voilà, on aurait eu les enfants, ça les aurait éclatés. Rentrez avec Chaton et il vous fait un haul sauce train green là. Donc sauce train green, c'est ça. Je sais pas si ça va, ça fait mise au point. Voilà. C'est pas très net cette histoire. Non, il veut pas. Je vais vous le montrer là, sur le sac. Donc, voilà, sauce train green. Donc c'est les sœurs green, sauce train green. Je sais pas comment on dit. Graines, même peut-être il y en a qu'un, de, je sais pas. Bref. Les sœurs graines, on va dire ça comme ça. Donc, moi j'ai acheté ce qu'il y a là devant vous. Donc, j'ai pris les piles. Parce que les piles, comme ça, ma sœur m'a dit qu'1,18€ les 6, c'était pas très cher. Parce que sur Amazon, elle les payait pas cher. Et encore, c'était plus cher que ça. Je vais voir l'autre verre, s'il te plaît, ma. J'ai pris deux petits verres comme ça, j'ai trouvé trop mignon. On en a en version. En verre, c'est ça ? Oui, voilà, du Rex, mais les enfants en ont cassé déjà un ou deux. Un seul, ou c'est déjà pas mal. Hein. Et je me suis dit, quand le copain vient, ça peut être sympa pour les deux garçons. Donc un violet rose et un bleu. Et j'ai payé ça, si c'est écrit, 1,38€ le verre. Voilà, le petit verre comme ça. Hop, ma soeur a pris ça à Chaton. C'est des il n'arrive pas à faire la mise au point tellement c'est plein de couleurs. C'est des sprinkles confetti. Cache ton zigou, toi, là. Cache tes fesses et ton zizou, là. Julianne, cache tes fesses et ton zizi, là. Je mets ma main parce qu'il monte ses fesses. J'ai dû faire une coupure parce que monsieur montrait ses fesses. Viens me montrer. Alors, je peux prendre le plateau ? J'ai pris un petit plateau, comme ça. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Marion a un petit plateau des princesses. Je sais même plus combien j'ai payé ça. 3,38€. Marion a un petit plateau princesse et Jou adore le prendre, trouve l'idée trop sympa de le prendre pour déjeuner. Et il n'en avait pas à lui, donc il râlait de ne pas en avoir un pour lui. Et sinon, je leur ai pris, fais voir juste un des deux, ce truc-là, de la collection d'enfants en fait. C'est comme les Aquabeads, je pense que les gens vous connaissez. Donc c'est des Magic Water Beads, ils disent en français, c'est où ? Ensemble des démarrages de perles d'eau magique. Voilà, donc en gros, il y a le... Oui, mon cœur. Il y a le plateau. Un spray. Et une petite pince pour prendre les perles. Et après, on choisissait. Donc après, on peut aller en racheter si vraiment on en manque. Ou... J'ai juste pas pris une des couleurs. C'était la version marron et blanc, je crois. Parce que blanc, ça aurait pu éventuellement leur plaire. Ouais, mais c'est pas un blanc blanc, c'est du blanc jaune, ça. C'est un blanc plus blanc que ça. Mais je me suis dit que le marron ça leur servirait pas, donc tu veux montrer? Ouais, donc j'ai pris tout le reste des couleurs que je pouvais prendre. Donc on a pris rouge orange, enfin j'ai, et donc les sachets ils sont à 1,66 le sachet de deux couleurs. Les roses, fais la mise au point sur la tête de Marion qui en a un arrière-plan. Voilà, donc deux roses différents. Après on a pris quoi, mon chat? Après, j'ai pris les violets. Non, pas les violets. Qu'est-ce qu'on met d'abord ? Les bleus. Les bleus. Je peux le tenir correctement, s'il te plaît. On a pris les bleus. Voilà. Deux bleus différents. Qu'est-ce qu'on n'a pas montré ? Les verts, on n'a pas montré. Non. Après, on a pris donc jaune. C'est ce qu'on vous disait. Et avec un peu blanc, mais... C'est un blanc plus jaune que le blanc qu'il y avait avec le marron. Mais il y a un peu plus blanc. Il en manque quoi ? On a les vertes. Les verts, donc il y a le vert plus foncé et plus clair. Et il reste ça qu'on n'a pas montré. Et bien évidemment, je n'allais pas les laisser. Les violets. Et Chant Chaton va nous faire des créations super violettes. Hein. Voilà. J'ai essayé de vous ouvrir ça pour vous montrer les dessins qu'il y a dedans. Ouvert, on peut faire un petit bonhomme comme ça. Oups là, j'ai fait tomber. Un petit bonhomme comme ça. Un pan comme ça. Est-ce que t'as vu ça à la ferme ? C'est quoi ? C'est un pan. Ah, c'est quoi ça ? Non, la voiture, il n'y a pas ça. C'est quoi ? C'est une voiture ? Oui. Ah. Ça, c'est quoi ? Un chiton. Non, c'est un escargot, ça. C'est sa coquille, ça, mon cœur. Oh, il est beau, le papillon violet, dis donc.
Du coup, moi aussi, j'aurai dans du violet, j'aurai les mêmes. Un lapin. Et un poussin. Donc là, ils choisiront ce qu'ils veulent. Et donc, on mettra en dessous. Et ma soeur m'a juste dit un conseil, parce qu'elle l'a fait avec le neveu de ma belle-sœur. Elle m'a dit de bien laisser sécher sur le plateau. De surtout pas l'enlever tant que c'était pas sec du plateau, parce que sinon, ça sèche pas bien et ça colle pas. Voilà. Donc, on fera ça. Et on vous montrera. Je fais. Ah oui, je me doute. Demain, chérie. Qu'est-ce que t'as fait acheter à mamie qu'elle t'a dit de ramener à la maison? C'est quoi? C'est un donut? Oui. Si. À quoi? Et il en a gardé un pour qui? Maman. C'est gentil? Écoute, au moins t'auras bien mangé aujourd'hui. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Mister clin d'œil. C'est la dernière du weekly. C'est parti. Je prends, il est très tard. Très tard. Le weekly de la semaine dernière, on est à 80%. On est mort. Pardon. C'est déjà pas mal. Oui, je l'avais pas mis à charger avant. J'ai toujours pas fait la miniature. Je n'ai pas monté celui-là. On est au top du top cette semaine. Mais c'est pas grave. Ça a été une semaine quand même assez chargée, mine de rien, même si on a été pas mal à la maison. J'avais plein de trucs à faire, donc voilà. Sinon, j'ai avancé sur mon article des IFUN, donc je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre en ligne demain. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Et sinon, bah du coup, je venais pour clôturer ce weekly. J'ai fait ma petite commande chez Decathlon, parce que bien sûr, j'ai fait une commande qu'on a reçue et que je vous ai montré dans ce weekly d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré chaussures de Marion, je vous rentre dans le prochain. Quand on recevra l'autre. Mais il manquait des choses. Sinon c'est pas drôle. Donc j'ai refait une commande et on a pris un truc qu'on voulait prendre aux enfants, donc je vous montrerai dans le prochain weekly aussi. Allez, sur ce, je vais aller me coucher. Ça va pas être plus mal, hein. J'essaie de négocier demain que mon homme me mette une vis, que je puisse m'installer mes trucs là que j'ai acheté sous le lampion. Ça serait sympa. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'arrête de blablater, c'est pas nécessaire. Il est temps que j'aille me coucher, super tard. Et je vous dis à très vite pour un nouveau weekly et une nouvelle vidéo si j'arrive enfin à faire une face cam cette semaine. On y croit, on croise les doigts. À bientôt.